Yeah.
premier membre qui est venu faire mettre le feu ici, dans la salle de Reville Saint-Clair. Mesdames, messieurs, elle a fait fort. Tu ne bouges pas. Bah, il paraît que tu es une ancienne canaise. Il paraît. Oui, bonsoir à tous les Africains de Franc-Comté. Boum. Yeah.
Clarisse. Clarisse, tu viens. Je suis là. Je suis là. J'ai l'honneur de te présenter pour la première fois. Je ne savais pas que tu dansais aussi bien. C'est quoi le secret? Tu danses depuis combien d'années? Le secret, c'est tout simplement que je danse depuis l'enfance. Et quand on aime un métier, on est obligé de se former dans ce métier. Alors, je me forme. Vous venez de Dongling, où ça se passe, vous faites un tabac sur la place parisienne. Vous jouez, vous avez joué dans toutes les grandes salles à Paris, à l'espace Chevreuil, au Palais de Congrès de Montreuil. Vous avez joué à l'espace Venise. Et qu'est-ce que ça vous fait de venir jouer ici à Caen? Ça me fait énormément de plaisir de venir jouer à Caen parce que je vous ai d'abord dit au départ que quand c'était ma ville d'accueil, quand je suis arrivée en France, alors quand l'association des Camerounais de Caen m'a invité, je n'ai pas hésité à accepter leur invitation. Vous avez bien fait, madame Alima, d'ailleurs c'est une grande famille, on connaît Thierry Alima qui est maintenant à Caen, on connaît Marcel Alima qui est en lien avec vous, et bonne continuation et beaucoup de courage. Merci, je remercie surtout le public de Caen et grâce à vous, je compte beaucoup sur vous, merci. Est-ce que vous pouvez applaudir avec votre effort pour Clarisse Alima s'il vous plaît? Merci Clarisse. Alors, maintenant vous savez, dans les articulations du week-end culturel de l'association des Camerounais de la Basse-Normandie, cet après-midi, sur le terrain synthétique d'Hérouville-Saint-Clair, il y a eu un tournoi de football.